Il y a un personnage qui s'appelle Mélie qui demande à un acteur résident « C'est comment d'être un acteur ?» Et il lui répond « Ça aussi, c'est une drôle de question. » On veut vivre plusieurs vies en une seule. On se cherche soi-même à travers les livres, les histoires imaginaires, la solitude des poètes. On a le sentiment que l'on se trouve quelque part au milieu de ce foutoir. On est éparpillé entre les lignes. Une partie de soi nous apparaît quelquefois dans un alexandrin ou un moment de silence. C'est une quête perpétuelle. Au bout de quelques années, on commence à peine à comprendre qui on est. Au fond, on est comme tout le monde. On essaye de s'en convaincre sans jamais y croire tout à fait. Mehdi dit « Pourquoi ?» Et Robert répond « Les histoires sont immortelles, Mehdi, pas nous. » Ce qui se passe aux Hortensias, c'est une maison de retraite où il fait bon, vieillir, où il fait bon, où il fait bon être, hein, comme on dit. Mais cette maison est en danger parce que le terrain va être récupéré, l'espace va être récupéré. Donc Marie-Thérèse fait tout pour sauver ses Hortensias. Et il va y avoir un miracle. Pour voir le miracle, mais il suffit de venir à Bobigny. Alors les résidents des Hortensias sont des anciens artistes, hein, tous. Un spectre très large, hein, ça peut être des peintres, des acteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup de comédiennes. Et ils sont là, ils racontent des histoires, ils jouent aux cartes, le passé parfois remonte, certains fantômes viennent les visiter la nuit et les vieux souvenirs réapparaissent. C'est surtout un spectacle, c'est pour ça que je l'aime profondément, où trois générations sont représentées, c'est-à-dire les enfants, les parents et les grands-parents, et avec Mohamed Rouabi, qui est l'auteur donc, des Hortensias, on tenait très très fort à ça. On a affaire à un grand auteur de théâtre, je dis bien de théâtre. C'est pas une adaptation d'un roman, c'est une pièce écrite pour de magnifiques interprètes qu'on a sur le plateau, de toutes générations confondues. C'est un très très beau, pour moi c'est un très beau moment de théâtre par rapport à l'histoire et le jeu. Le reste, ça j'en sais rien, la mise en scène, je ne veux pas dire qu'on peut s'en fiche, mais parce que est-ce qu'elle est importante? En tout cas, ce n'est pas mon souci. Le souci, c'est l'histoire et la manière dont ces personnes se sont emparées de ça. Et le donne à voir chaque soir et à entendre.